Ok, ce matin, filage, on s'arrête pas. À aucun moment ici. Quoi qu'il se passe, si ça plante, on s'en fout, on continue. Let's go. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Qui c'est qui fait ma raconte? Martin Rose, on a fait un petit. On a dit la coupe pas. Ok, tout le monde? Je ne suis ni prolixe, ni verbeux, ni bavard. Fatigué là et fixe, je bois comme un buvard. Je n'ai rien à compter, ni à dire à personne. Mais de tous mes amis, il n'y a personne. Je m'appelle Poulik. Mon parcours, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque je suis un autodidacte. Quand j'avais 11-12 ans, il y a un ami qui est venu me voir, qui m'a demandé si je voulais faire un peu de guitare, un ami de mon père. Et il m'a mis la guitare entre les mains, il m'a montré trois accords. Avec ces trois accords, je suis parti, puis j'ai commencé à monter des groupes tout de suite et je suis revenu à mes amours d'enfance. Le jazz manouche et le jazz et la chanson française surtout. Je me suis installé à Paris quand j'avais 18 ans. Et je suis rentré dans les cabarets russes et les clubs de jazz. J'ai beaucoup voyagé avec Sanseverino, avec qui j'ai travaillé pendant des années, avec qui j'ai fait 4 albums, je crois. À un moment, il y a une espèce de tournant de ma vie qui est celui où j'ai eu des enfants. Et là, je me suis dit, ils ont besoin d'avoir une figure d'un homme accompli comme père. Et donc, il fallait que j'aboutisse à ma propre réalité intérieure. Je sais pas comment l'expliquer. Donc, il fallait que je devienne l'homme que j'avais envie d'être. Donc, je me suis dit, bah, j'ai un an. Et pendant un an, je fais cet album et j'écris mes chansons. Yes, ben voilà, c'est la première date. On espère que c'est le début d'une longue tournée. On est à l'Européen ce soir, j'espère qu'on va tout déchirer, les gars. Vous êtes prêts? Yes! Vas-y, yes. 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 Ce petit moment de musique vous est offert par. Ok, les gars, c'est à vous. Allez, c'est parti. Yeah. Yeah. Cet album, il parle des rapports humains beaucoup. Il parle des rapports dans le couple, dans la famille. Il parle des rapports humains avec les gens. Quand on grandit, quand on passe la vingtaine, on arrive à la trentaine, on se pose un petit peu, on construit sa vie. Les sentiments évoluent, on est obligé d'un peu de lâcher cette part d'enfance à laquelle on s'accroche un peu pendant ses 20 ans. Puis à la trentaine, on sait qu'on prend un tournant important. Il y a toute cette phase transitoire qui est un peu mouvante au niveau des sentiments, des rapports humains. J'avais envie de parler de ça. Musicalement, j'étais inspiré vraiment par des musiques variées et diverses. Cet album est varié, mais il a une conduite assez jazz, qui est une part de moi et qui est quelque part la première part, c'est-à-dire celle de mon enfance, c'est vrai. Et j'avais besoin d'exprimer ça dans un premier projet. Après, je suis déjà en train d'écrire le deuxième album et j'ai d'autres idées. Je te dis tout de suite que le style va changer un petit peu au niveau musical, des choses un peu plus dynamique, un peu plus moderne. Voilà, après je te laisserai la surprise pour le prochain album. Voilà. C'est un
super concert, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail avec les musiciens, des super musiciens, une super présence. C'était sublime, touchant, complet et vraiment hyper sincère. On a adoré. Bourré de pêche et excellent. Même assis, c'est chouette, on a envie de danser, on a envie de se lever. Donc,